Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dead by Daylight. Ça faisait un moment, donc pour le coup voilà, il y a un nouveau killer qui est sorti hier. Bon, de toute façon pour ceux qui jouent à DBD, hein, vous êtes au courant, il est vraiment très très stylé, il colle vraiment avec l'univers du jeu, honnêtement c'est vraiment cool. Je suis plutôt content. Donc pour le coup, je suis parti avec intervention impure, hein, pour les générateurs en début de game, le fameux crochet flagellateur qui fait très très mal. Je suis parti avec tempête impitoyable et dissolution, j'ai moins l'habitude d'y jouer mais... Ça reste deux bonnes perks. Alors attention, hein, je suis pas un spécialiste, moi je joue plutôt survivant. Mais voilà. Je suis parti avec le poster de film de série B et la photo floue. Donc par contre, là du coup, ça les empêche de se soigner. Ils subissent brisé. J'ai mis ça et j'ai mis du coup, après une téléportation, récupérer votre vitesse de déplacement intégrale 50% plus vite. Donc voilà, puis bah, le petit Mori. Donc voilà, on va essayer de se faire une game en espérant tomber sur la nouvelle map. Hier, je suis tombé sur la nouvelle map. J'étais contre des survivants qui savaient, enfin, je voyais bien au niveau des déplacements, ils savaient pas trop jouer. Je leur ai vraiment roulé dessus, sachant que la nouvelle map est vraiment très petite. Donc après, voilà, il y a quand même pas mal de palettes, mais voilà, ça n'a pas suffi. Donc on va voir un peu comment va se passer cette partie. Ok, nickel, on est sur la nouvelle map. Super. Oh, regardez-moi ça, il est horrible. Il est horrible. Allez, c'est parti. Faut croire qu'on arrive à mettre de la pression dès le début. Donc là, il n'y a pas... C'est marrant, il y a... Ah, s'il y a un gène en haut. Oh, j'ai vu quelqu'un. Je t'ai vu. Ah, tu t'es bloqué. Ok, touché, super. Ok. Ok, bon, ça va, on arrive à mettre de la pression dès le début. On va... Je sais pas si on tape direct un flagellateur. Oui, on va taper un flagellateur direct. Ok, là, il y a du monde. Super. Oh, c'est quoi ce spot? Il y a deux palettes. Ok, touché. Oh, bien joué. Je voulais feinter. Bien joué, bien joué. Ah ok, tu... elle m'a donné direct les deux palettes. Ok, on va prendre notre pouvoir. Ok, on l'a touché. Ok. Ok, d'accord. Ouais, ça joue pas très très bien. Hein. Ça joue pas très très bien. Pour le coup, on va mettre cave. On va mettre cave. En plus, je crois qu'il y a quelqu'un qui a essayé de casser le crochet derrière. Ok, bon c'est nickel, en plus ça va me valider mon défi. Ok, donc là ils ont normalement. Ok. Voilà, mais la mécanique est quand même sympa. Il faut dire ce qui est. Ah mais ils vont me donner toutes les palettes là. Oh bien joué. Ah oui, c'est ce fameux spot double palette que j'ai entendu parler. Ok, je l'ai touché. Ouais, je pense que cette game, elle est bien partie pour être gagnée. Après, tout peut changer. On va mettre ici. On va mettre ici. Ah, on va essayer de se TP. Ok, nickel. Je crois que j'ai bien fait. Ouais, il y a quelqu'un. Allez, on va pas tunnel, on va aller sur la claudette. Oh, bien joué. La Claudette m'a bien brain. Je pense que la Claudette, elle sait jouer. Non, ça aurait été trop beau. Je vais pas la suivre. Je vais pas la suivre. Je vais plutôt garder... Là, j'ai pas mal de générateurs. Même si l'autre tombe, c'est pas grave. On va plutôt se garder un petit trigène. Hein. La bonne strat, vous connaissez. Là-bas, j'en ai un. Ok, donc ça peut être sympa si je veux les... Si je veux les surprendre. Ok, on va aller sur la... Sur elle. Ok. Je crois qu'on l'a... Je suis pas sûr qu'on l'a touché. Ok, retouché. T'as pris un risque.
Ah, bien joué, bien joué. J'aurais pu me TP aussi. J'aurais pu me TP aussi. J'ai pris un risque. J'ai pris un risque. Ok, je vais mettre ici. On va taper celui-là. Ok, là, il y a du monde. Le dissolution qui carry. Je crois qu'on l'a pas suivi en plus. La Zarina. Oh, c'était pas loin. Mais pourquoi tu me bloques aussi? Ok, je vais rester sur... sur elle. Bon, après, voilà, il y a aussi le temps que les survivants s'adaptent. Le Stuart vient de sortir, donc... Regarde, si je la perds, ça va pas le faire. Dommage. Ah, elle a bien joué. Après, les spots restent très petits. Allez, Besta la palette. Ok, on va la mettre... on va la mettre ici. Ok. Bon, là, il y a l'air d'avoir personne. Je vais casser le gène. Ok. Je vais aller au fond. J'ai cru entendre quelqu'un. On va se téléporter en dessous. S'il y a du monde en haut. Ah, j'étais pourtant persuadé que... il y aurait du monde. Ok. Donc ok, c'est... j'ai pas fait gaffe. C'était le gène du Bémen qui est tombé. Ok. Alors, je pense que la palette t'aurait pas dû la... Ok. Pas en théorie. Ok, c'est passé. Y a... je pense pas qu'il y ait de survivants dans le coin, donc je vais ramasser. Je crois qu'elle est morte. Si je dis pas de bêtises. Hein. Ok, elle est morte, super. Bon bah du coup... on est quand même... Ok. Ok, super. On l'a touché. Ah non, c'était l'autre qu'on a touché, ok. Ok, nickel. Bien joué. Non mais je t'ai vu. Hein. Regardez ce qu'on va tenter. On va essayer de la pousser. Ah bien joué. Ah, dissolution qui carry. Impeccable. Ok, je vais la mettre là. Alors. Ok, il y a du monde là-bas. Soit à mon avis, ils vont aller se soigner. Il y a des chances. Allez. Elle veut toujours...
Ok, je l'ai touché. Dissolution qui carré. Ouais, dissolution, c'est vraiment très fort. Ok. On va mettre sur le flagellateur. Ok. On va aller là-bas. Non. Toujours pas entamé, toujours pas entamé. Chaque peut-être. Il ne reste plus que deux. Il y en a une qui est blessée. Je pense qu'on laissera sortir la dernière. Ils sont là, ils ont très peu de chances de sortir. La map est tellement petite. À mon avis, il va falloir que je les cherche parce que vous savez quoi, je vais vous montrer un petit peu dans le Bémen pour ceux qui ne sont pas tombés encore sur la map. La map est assez sympa, hein. Donc là on a la petite salle de cinéma, c'est plutôt cool en vrai. Normalement on peut monter par là. Il y a une petite salle de flipper aussi qui est assez sympa. Juste ici. Elle est assez sympa, il y a une palette là. Mais bon, ça reste des spots petits. Petite zone parking aussi également. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose ici. Bon, je vais essayer. Bon, après il y a en haut, hein, mais je vais essayer de... Ok, super. Je leur ai fait peur. C'est ce qu'il fallait. Oh, c'était... Ouais, je sais plus si... Non, je sais pas si je les touchais. Oh, oh. Je sais pas si c'était limite, mais bon. Je sais pas si elle est morte. Je crois qu'elle est P2. Je crois qu'elle est P2, hein. Ok, non, elle est morte. Elle est morte. Bon, maintenant, pour trouver la Claudette. Et la Claudette, elle joue bien. Donc, je pense qu'elle joue bien. Ok, la Claudette. Elle doit être par là. Oh. Non, mais je te laisse. Elle a pas compris, je crois. Je sais pas si je peux passer là. Ouais, ouais. Tu veux. Allez, on va lui trouver la trappe. Oh, regardez-moi ce spot là. Contre chasseuse. Aïe 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 aïe. On va aller à la shack. Des fois qu'elle spawnerait à la shack. Tiens, bah regardez-moi ça. C'est pas impeccable ça? Allez, vas-y. Hé. Bon bah nickel. Bon, ils étaient, je pense qu'ils, ouais, ils étaient relativement faibles. Après, je joue très peu en tueur aussi. Donc là, j'avais mon rang qui était Oh, puis impeccable, ça m'a validé mon truc en plus. Hé, super, super. Elle est contente, on m'a dit merci. C'est cool. Donc on avait Adri, la Clo-Clo, elle avait Adri. On avait un résistance. Lien, c'est pas souvent. Parfaite occasion. Faites épreuve. On avait un hyper concentration. On avait un autre résistance. On avait encore un autre parfaite occasion. On avait un DS. Enfin, un coup décisif. Ok. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris pas mal de plaisir. C'était quand même assez sympa.
Et puis, bah, n'oublie pas de mettre un petit commentaire, un petit like, mais franchement, non, il est vraiment sympa, il colle vraiment avec l'univers et ça, c'est cool. Allez, moi, je vous dis une prochaine. Allez, ciao, ciao, salut. Bye.